Donc pour le moment j'en ai que 3 d'utiliser et tous les mobs que j'ai. Alors c'est con, j'avais récupéré un mob que je comptais exploiter puis je ne l'ai plus. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû perdre la Safarinette d'une façon inexplicable. Les creepers c'est même pas la peine. Les zombies pigmen pour se faire de l'or. Alors j'en ai 8000, c'est bon. La glowstone, pareil, je vais voir si je vais la recycler ou pas. En soi, je crois qu'on peut avoir les taux de la glowstone. Il n'y avait pas un truc justement avec le recycleur et la glowstone? Non, ça c'est le compresseur, ça c'est le même transposeur. Non. Partition, non. Non. Non, je suis revenu au début. Il me semblait que j'avais le pourcentage de chance d'avoir du scrap avec le... Mais à mon avis, c'est le même pourcentage de chance pour tout. Alors, c'était pour un autre truc, dans un autre mode, mais qu'on ne doit pas avoir ici. Alors, je voudrais revenir sur un détail. Je vous avais dit qu'on n'avait pas de grade tech, donc on ne pourrait pas faire de... Comment ça s'appelle? Oh, c'est pas vrai. Je suis désolé, vous devez avoir un son pourri depuis le début, j'ai oublié de brancher mon micro. Je vous arrange ça tout de suite. Voilà, excusez-moi, ça devrait être mieux au niveau du son. Ouais, c'est parce que quand je branche pas mon micro USB, c'est mon micro d'ordinateur qui enregistre. Et c'est d'une nettement moins bonne qualité, me semble-t-il. Bon, après, mon casque micro, c'est pas un truc de fou non plus, hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On leur cycle ou on leur cycle pas la glowstone? Il y a le blue tapage. Ça, le blue tapage, je sais même pas à quoi ça sert en fait. On va regarder un petit peu rapidement à quoi ça sert. C'est quoi ça? Blue wool, ok d'accord. Donc le blue tapage. Alors ça peut servir à quoi? Donc de toute façon c'est pour Ars Magica. La magie ne m'intéresse vraiment pas. Je suis désolé de vous le dire, mais ouais, en plus voilà quoi, l'utilisation est assez limitée. Ça sert à quoi ça? Everstone avec de la chimérite. Ça sert à quoi? C'est décoratif. Bon. Et Oculus. Pas à quoi ça sert. Et bah tu sais quoi mon coco? Tu me sers strictement à rien. Alors vous allez peut-être gueuler derrière votre écran, mais si c'est super utile. Moi je recycle. Allez, hop. Au revoir, ressources inutiles. Bon, tout ça c'est de la gestion de ressources, hein, donc j'ai évité de le faire devant vous. Et ça, donc, j'ai mon crafting qui merde. Pouf. Hop. Voilà, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que t'es reparti ou... Oui, il est reparti. Il nous refait du scrap. Eh ben dis donc, pas trop tôt. Allez, donc ouais, donc j'ai simplement débranché le système et puis rebranché, et puis ça marche. Bon bah tant mieux. $50K. Et c'est juste ma tour à mob hein, qui produit, hein. C'est pas... Bon, pendant un temps, il y a eu le... Ah, j'ai pas de nom à cette machine. Ma machine à spawn, là, qui faisait spawner masse d'Enderman aussi. Enderman, pardon. Mais bon.
Allez, on va s'attaquer à autre chose. J'ai cherché ça pendant un bout de temps et c'est parce que ça porte un autre nom. À une époque, ça s'appelait MFFS. Je connaissais sous le nom de MFFS les machines. Ça s'appelait comme ça, c'est un petit peu comme un pilier d'énergie statique. La plupart des systèmes s'appellent ME. C'est ME drive, c'est ME câble, ME import bus, ME tout ça. Voilà, ME tout ça, je sais que c'est du, enfin presque tout, c'est du à pilier d'énergie statique. Voilà, vous voyez que tout commence pratiquement par ME. Donc ça c'était facile à retenir, c'était facile à comprendre. Mais voilà, donc j'en train de réfléchir à l'automatisation d'une autre source là. Mais c'est pas ça qu'on va faire, parce que je pense à autre chose là. Alors, donc je disais. Voilà. Alors ça c'est du appel d'énergie statique aussi, mais on s'en fout. Voilà, je savais bien qu'on avait MFFS, sauf que MFFS, j'avais pas tilté que ça voulait dire en fait Modular Force Field System. J'espère que je l'ai prononcé correctement. Et en fait, on a ces machines-là, et ça va être super utile pour plusieurs choses. Notamment parce que dans ces force fields là je pourrais mettre voilà des anti-hostiles créatures et donc faire empêcher le spawn de Enderman simplement et donc pouvoir y mettre par exemple ma ferme à bois simplement ma ferme à bois et puis voilà quoi les trucs comme ça il y a plein de trucs Infinite Power Card c'est quoi ça? Ah ouais c'est un monde créatif d'accord ok on peut pas ouais on peut pas le créer ça serait trop beau il y a une carte fréquente une carte alors le problème c'est que le mode depuis que moi je l'avais vu j'avais jeté un œil il a énormément changé il faut savoir que la série que je vous fais là je comptais la faire il y a déjà un bon bout de temps j'avais pas eu le temps mais il y a des trucs, je sais pas ce que c'est. Franchement, je connais pas du tout ce mode-là. On va le découvrir ensemble. Donc, on a Induction Matrix, Biométrique Identifier, Force Field Projector. À mon avis, c'est ça qu'on va créer. Le Forton Capacitor, ok. Donc, à mon avis, ça va être ces deux machines-là d'abord qu'on va créer. Enfin, ces trois machines-là. Donc, on va voir. Le Force Field Projector. Le force manipulator et le Forton capacitor. On va commencer par le force field. D'accord, ok. Donc déjà, non. Ça, comment ça se fait? Ah, voilà pourquoi il me fallait du style. Ça me revient maintenant. Ok, bon. En fait, on va en créer un stack. Regardez un stack, on sait jamais. Voilà. Et donc là, vu que mon niveau de style a diminué, mes machines sont parties en refaire. Hein. Je n'ai même pas besoin d'y regarder. Donc, ça, on va les mettre dans le système. Ensuite, donc on va créer ceci. Ceci, il me manque l'aérobatterie. Aérobatterie que normalement, je peux créer. Aérobatterie, je pense même que j'ai un craft automatique pour ça. C'est cela. Je vais m'en crafter 64 parce que ça fait toujours plaisir. Donc on est d'accord. Donc ça déjà c'est une chose. En attendant que soit ce sacré, on va se faire le force field. Non, c'est pas là, c'est là. J'ai du mal avec le mot field, hein, on est d'accord. FIEL, tout simplement. Voilà. Force field projector, donc ça normalement je peux le créer. Non? Pourquoi? Tu... C'est une aérobatterie ça.
Ouais, c'est une rebatterie, alors. Bah ouais, je sais pas pourquoi il l'a pas pris, mais bon. Ok, on a déjà notre première machine. Ok, ensuite on va faire le Fortune Capacitor, ça doit pas coûter très très cher. Les RE batteries m'énervent. On va les garder sur nous. Ok. Allez. Oh. Merci. Biométrique dans la divers et le force manipulateur. Ah ok. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Oula. Oula. Ça, je dois pas en avoir ça. Bon, faire 64. Les comparateurs, ouais, c'est vrai que je m'en fais jamais. Hop. On continue donc les moteurs, donc ça c'est de l'iron, c'est du steel, c'est des comparateurs, on a tout, c'est nickel. Et on va voir le force field au total. Hop. Magnifique. Absolument magnifique. On a nos trois machines. Je ne sais absolument pas comment les alimenter et je ne sais strictement rien sur ce nouveau mode. Enfin, sur la nouvelle version de ce mode, en fait. Avant, je sais qu'il nous fallait du... Ben, justement... Est-ce que du Fortron... Justement... Fortron... Ah, d'accord. Le Fortron, c'est un liquide. C'est un liquide, le Fortron... Et je ne sais pas comment on le récupère. Je ne sais pas à partir de quoi on se fait du Fortron. Du Fortron. Non mais ça merci, je sais ce que c'est qu'un... Attendez. Oups. C'était ça, non? Fortron. Comment on en crée? Bon, je vais aller voir sur Wikipédia. Sur le wiki simplement du... World Module, c'est quoi ça? Ah, en plus, tout ça, ça consomme du Fortron. D'accord, ok. Bon, on va déjà voir où est-ce qu'on pose tout ça. Alors, pour le moment, c'est un test, donc on va se mettre assez loin sur la plateforme que j'ai créée et on va poser tout ça. Donc, on va commencer par le projecteur. Ouh, ça m'a l'air compliqué tout ça. Ok, on va mettre le Fortron Capacitor. Je sais pas du tout ce qu'il lui faut et le Force Manipulator. Alors, modular. Qu'est-ce qu'on a là-dedans qui peut nous... Alors, parce qu'il y a plusieurs trucs de modular. Force field. Voilà. Au moins, là, on a tout ce qu'il nous faut. Donc ça, on s'en fout. Ça, je sais pas ce que c'est, ça. Je vois absolument pas comment on fait tout ça, en fait.
Dans le doute, on va créer ça aussi. On sait jamais, c'est peut-être ce qui me manque. Ok, allez. Hop. Dans le doute, je vais le mettre là. Allez, hop. Et ça, c'est quoi? Ok, alors à chaque fois, ça demande un... Ok, apparemment, ça, c'est ce qui produit. Ok, donc j'ai bien fait de le faire. Le problème, c'est comment on... Comment on fait pour produire nitrogène? Non, ça c'est pour modular power suite. Ça m'intéresse pas. Ça, ouais, ça... Modular force field. Ouais. On va voir. Est-ce que si j'y apporte de l'énergie... un Tesseract en 1, nickel, hop. Que demande le peuple? Hop, ici. Donc les items, on s'en fout. Et c'est de l'énergie, tu m'en reçois. Est-ce que tu me reçois l'énergie? Visiblement non. Bon, visiblement ça se connecte par contre. Bon, ça se connecte pas. Ok, d'accord, ça c'est bon à savoir. Ça non plus, ok. Bon, il n'y a qu'un truc qui se connecte. C'est que je dois être sur la bonne voie. Donc ça apparemment ça me crée le... Ah oui, et puis ouais, donc résultat le Forton capaciteur. Certainement me faire la wrench, non, je peux le démolir comme ça. Ok, ça semble pas vouloir se démolir. Et même avec le... Ah, le con! Bon. Bon, on va essayer autre technique. On va tous leur mettre une fréquence à 1. Histoire qu'on soit d'accord au moins sur la fréquence. Qu'ils sachent un petit peu à qui ils appartiennent. Bon, ok. Ils ont tous une fréquence de 1. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Ok, bon. Par contre, ce qui m'ennuie, c'est que je ne puisse pas les récupérer. Même mec... Ah, lui réagit. Par contre, mon salaud, soit t'es méga long, soit tu te casses pas. Donc...
Et apparemment, une fois posé, je peux pas les casser. Eh merde! Ah, c'est pas cool ça. Bon, j'y regarderai plus tard en fait à ce mode-là. Bon, en tout cas, voilà, je sais que je peux me faire des fields avec ça et j'ai vu qu'on pouvait donc gérer notamment le spawn de mobs, mais le problème c'est que je ne sais pas comment alimenter les machines. Donc j'y regarderai hors caméra. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? En attendant, on peut certainement faire autre chose. Bah déjà, on va voir comment... Je comptais gérer deux ressources en fait. Lié à la pile d'énergie stick. Donc on va faire ça. Pour cela, il me faut des fours. Donc c'était. Ah! C'est ça, c'est les électronicoles. Furnace, donc j'en ai deux. Il me faut ouais, deux import bus, ouais, ça ira. Et un export bus, enfin deux export bus. Il me faut aussi du ME câble. Tiens, hop, toi, tu vas là-bas. Ça, la redstone machin je l'ai, la build j'en ai pas besoin mais bon je la garde quand même. Ça, j'ai pas besoin. Voyons, 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 bah c'est tout. Ouais, c'est tout. Non, il me manque les émetteurs. Voilà. Et on va aller se faire un petit peu d'appli d'énergie stick. Vu que c'est très lié à appli d'énergie stick, on va mettre ça ici. Ouais, c'est de la... Ouais. Ouais, ici ça me plaît pas. Je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. Donc, hop. Et hop. Ah, on va mettre nos deux furnace comme ceci. Quoique c'est peut-être pas mal hein. J'aurais peut-être dû les mettre à la file mais c'est du craft auto, c'est pas de la, ça c'est vraiment de la gestion de ressources, là ça va pas vraiment l'être. Ça va être du craft auto. Donc c'est pour ça que je voulais mettre ça un petit peu à part. Donc évidemment, il va me falloir... J'ai oublié les wires. Non, ce sont des failles, des glass fibers. On va les mettre qui courent par-dessus. Là, donc s'alimenter. Il va me manquer les upgrades. Donc 5 ici. 5 ici. Ok. Et donc il me manque donc ce sont les... Alors, ce
ce sont ces ressources là qu'on va crafter de façon automatique. Hop. Et hop. Alors, à gauche, on va mettre les basiques. Donc, tant qu'on n'en a pas 60 et 64. Ici, tant qu'on n'en a pas 64, et c'est des... Voilà. Donc ça, c'est le produit fini. Pour le moment, eux, on va les couper. Faut que je voie... comment on fait déjà pour les crafts? C'est quelle configuration? C'est... Eux sont éteints par défaut. Tant qu'on est en dessous. Allumé, d'accord, ok. Donc il ne me restera plus qu'à inverser la logique de ces trucs là pour lancer la production. Donc ici on y envoie et on craft, ici on y envoie et on craft ceci. Et donc j'ai dit 64 ici, 64 ici, et on lance la prod. Bon, donc déjà les basiques processeurs, c'est normal. Les avancés de processeur, par contre, petit problème. Pourquoi? Donc lui, je lui dis de crafter et de bouger si possible. Et tant qu'on n'en a pas 64, tu restes allumé. Et toi, tu reçois tant que t'es allumé. Où est le problème? Est-ce qu'il me manque une ressource? Est-ce qu'il me manque... Il me manque certainement du silicone, en fait. C'est peut-être ça qu'il me manque. C'est pas là, c'est là. Ok, non, en fait, il a pas pris en compte du tout, quoi, parce qu'il y a, trop de trucs en attente. Le scrap, on va... Ah, je sais ce qu'il y a. Vous avez dû le hurler derrière votre écran. Bah oui, mais ça. Faut que ce soit relié. Trou du cul. Donc voilà. Voilà, là, là, ça marche. Bon. Bon, consommation de diamants à fond, mais au moins dès qu'on en a 64 ou un peu plus, parce qu'évidemment il en produit toujours un peu plus que prévu, au moins on sera tranquille, quoi. Ouais, donc par contre... Oh, si, ça va être suffisant, mais... Je pense quand même qu'on va en rajouter deux.
Ouais, parce que c'est consommé tout de suite. On va tout relancer pour le moment. Juste histoire de tout remplir et puis après on coupera au cinquième. Donc là normalement, assez d'énergie. Et il nous manque quelque chose, je suis sûr que c'est... Alors c'est soit le silicone, soit le diamant, mais le diamant, je pense pas en fait. Le diamant normalement j'en ai plus qu'assez dedans. C'est ça, c'est le silicone. Alors le silicone... Ah, le silicone, il me semble qu'il faut que je pulvérise. Attendez, que je dise pas de bêtises. Du silicone. Ouais, le silicone, il est là. Ouais, en fait, oui. Donc, il faut que je fasse chauffer du Nether Quartz Dust. Et que je me fasse... et que je fasse ma série du Nether Quartz pour ça. On va se créer donc une production de automatique. Donc il me faut un macérator. J'en ai un. Il me faut un macérator et il me faut un furnace que j'ai là. Donc ça c'est nickel. Est-ce que... Non, il me faut également un import bus et un export bus. Alors... Ça, on va mettre, non pas le macérator, l'électrique. Ah oui, on va, ouais, on va faire ça comme ça. Allez, hop. Ah ouais, ouais, pose pas de soucis ça. Ok, donc on va mettre l'export bus ici. Avec les petits câbles qui vont bien. Et on va mettre notre émetteur. Les émetteurs, j'en ai encore. Donc, ça, c'est pour faire cuire. Donc, il va me falloir les ressources nécessaires. Donc, à savoir du... Alors, le Nether Quartz. Le quartz en question. Il va manquer le silicone, mais bon, ce n'est pas trop trop grave. Ensuite, on va remettre un import bus au-dessus. Hop, oh nickel, il se place bien en plus, c'est nickel, c'est parfait, c'est beau. J'ai un doute, ouais, c'est l'électronique, c'est ça, hop. Donc par contre, il y a juste un truc. Voilà. Je les déplace en stack, ça va plus vite. Ok, alors ceci. Ok, ça fait beaucoup de ME câbles, hein, on est d'accord? Je fais juste ça avec vous pour que pour vous montrer un petit peu à chaque fois comment je gère chaque ressource. Comme ça, si jamais vous avez envie de jouer à Minecraft modé, ben vous auriez une idée de ce qui est bon ou pas de faire. Alors, tant que je n'ai pas 5... ouais, pff, allez, 1000. On va dire 1000 de Nether Quartz. Tu n'envoies pas de courant. Et tu envoies le Nether Quartz. Quartz. Non. Tu envoies le quartz. Voilà. Et ici, tant que tu n'as pas le silicone, ouais, donc ça va être le silicone, il faut m'envoyer par stack le Nether Quartz. Voilà. Et donc, non. Non, 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 non. Voilà. Et donc, tant que tu n'as pas 1000 de silicone,
Attendez, j'ai un doute. Ouais, non, c'est ça en fait. Hop. Les fibres pour alimenter la machine. Et voilà le travail. Bon, bah voilà. Donc là, j'ai la production de mes processeurs de façon totalement automatique. Tout ce qu'il faudra, c'est juste que bah, j'ai suffisamment de quartz, de nether quartz dans mon système. Bon, pour le moment, j'en ai 700, donc c'est suffisant. Le Certus et l'autre, ouais. Il va falloir également que je refasse ma machine à villageois. Qu'il a fallu faire planter le serveur, enfin le serveur, pas le serveur, mais le jeu. Parce qu'il y a, en fait, il y a un serveur interne dans le jeu, je l'ai compris en regardant la console de FTB. Comment il y a mais comment mais je vais laisser la machine à Emerald dans le monde normal fonctionner mais sans tuer les villageois pour avoir les trades et j'ai failli payer très cher hein, parce que ben je tournais plus qu'à 1 FPS quoi et pour désactiver la machine et tuer les villageois ça a été la galère. Ouais voilà, il m'en a créé 82 de processeurs, mais au moins je suis peinard quoi. Normalement il est censé l'avoir arrêté. Hein. Alors il y a ça. Ouais, il va me créer du silicone résultat, mais ouais voilà, il crée plus de processeurs au moins. Et il va me créer suffisamment de silicone. Ouais, par contre, non, résultat le Nether Quartz, ça va me manquer. J'ai manqué de Nether Quartz. Donc, il va falloir que j'aille dans le monde où il y a du Nether Quartz. Il me semble... Non, 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 non. C'est pas ce que je t'ai demandé. Voilà. Exactement. Ouais, presque 51 quoi. Bon et franchement niveau par contre énergétique on est tranquille mais à vie hein. Je veux dire c'est bon quoi on a tout ce qu'il faut en énergie. Ah ouais même ici c'est pas entièrement consommé en fait toute cette partie là-bas en fait elle tourne un peu dans le vide j'ai l'impression quoi parce qu'elle est tout le temps à fond elle est pas consommée en fait l'énergie ici. Par contre elle consomme bien les enderpearls mais bon. Avec une telle production d'Enderpearl, en fait je peux augmenter ma consommation d'énergie sans réel problème en fait. Il n'y a que du côté Industrial Craft que je risque de manquer. Oui, je voulais parler de ça. Je voulais parler de ça. Je voulais parler d'Industrial Craft. Et pour vous en parler, je vais me mettre devant Industrial Craft. Donc, je vous ai dit qu'on n'avait pas Gradtac. Et donc qu'on ne ferait pas de réacteur nucléaire. Et j'ai réagi que... qu'on avait des réacteurs nucléaires, ceux d'Industrial Craft, qui pouvaient nous produire jusqu'à 8000 EU par tick. Ouais. Donc ouais, donc je pensais qu'en fait les nucléaires réacteurs c'était des ajouts de Gregtech, que c'était pas dans Industrial Craft. C'est pour ça que j'y ai pas pensé. Mais on le fera pas. Voilà, donc là je viens de vous mettre le couac pas possible. On ne fera pas de réacteur nucléaire. Non pas que je suis contre le nucléaire, IRL ou quelque connerie que ce soit. Je suis pas du tout écologiste. Hein. Je laisse l'écologie à ceux que ça intéresse. Moi personnellement,
que l'énergie soit produite en pédalant ou en cognant des électrons, on fiche. Tant que ça marche. Donc et tant qu'il n'y a pas d'explosion. Donc voilà. Donc, mais le nucléaire, c'est un autre problème. Dans le jeu, je parle, c'est un autre problème. C'est pas que c'est compliqué à créer. C'est pas le problème. C'est même très très facile à créer. C'est même déconcertant comment c'est facile à créer. Le problème, c'est au niveau de l'alimentation de cette merde. Ça consomme de l'uranium. De l'uranium, j'en ai, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est qu'il faut que la surveillance soit constante. Faut que la surveillance du générateur soit constante si on veut pas d'emmerde, si on veut pas que que d'un seul coup bah, tout lâche et voire même explose. Donc non. Moi l'avantage de l'énergie que j'utilise, alors et encore je trouve que la lave c'est chiant parce que parfois faut aller chercher faut aller remplacer les pompes dans le nether. Mais même en outrepassant ce problème, ça reste peu comment dire ça reste peu contraignant. Voilà, chercher le mot. Ça reste peu contraignant. Alors que devoir constamment vérifier que le réacteur ne soit pas en surchauffe, ça va être et surtout avoir constamment avoir le niveau nécessaire d'uranium qui vient des tuileries, qui est une ressource qui est pas sûre à 100%. Je veux dire qu'on n'est pas sûr d'avoir en abondance quoi. Donc non, donc pas de réacteur nucléaire sur cette série. Je l'annonce. Si on en fait un, ce sera pour faire péter quelque chose. En soi, ça pourrait se faire, ça. On pourrait faire péter quelque chose avec un réacteur nucléaire. Mais bon. Voilà. Donc, on a vu comment j'automatisais ma création de ressources. C'est simple, hein. C'est super simple. On va booster un petit peu ça. Non! Hop. Donc ça aspire en permanence. Hein. Donc ce truc-là, le mettez pas contre le dispenser parce que d'une façon ou d'une autre, j'ai pas compris comment, mais ça bud en fait le hopper. Si vous mettez ça directement sur le dispenser. Donc mettez un bloc derrière et alimentez le bloc qui alimente le dispenser et mettez ça loin du hopper. Sinon le hopper va être saturé. Et c'est pas bon. Voilà, donc on a des productions de diamants, de trucs comme ça, c'est sympa. De l'or. On reconnaît pas bien avec Infinity HD. Ok. Ici le sucre. Oui, pareil, la poudre d'os, je la recycle parce que j'en ai trop. Et les bouteilles. D'ailleurs, question con, mais mes bottles of enchanting, j'avais pas demandé à ce qu'il manquerait 10 000. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Donc bon, lui, il continue à consommer. C'est pas que j'en ai besoin. C'est pas que j'ai besoin d'expérience, hein, mais voilà. Ouais, donc j'ai déplacé ces trucs-là ici, donc il me crée des bouteilles d'eau et des bouteilles d'expérience. Bref, tout ce qui est gestion de bouteilles, c'est ici. Enfin, remplissage de bouteilles, c'est ici. Mais bon, ça a pas vraiment d'intérêt, quoi. C'était histoire de consommer
un petit peu de bouteille. Les bouteilles d'eau, ça me sert notamment à faire des upgrades pour Industrial Craft, hein, je le rappelle. Bon. Bon, on est bien. On est bien. C'est quoi ça? Ce sont les yeux d'araignée. Normal. Ça vient des sorcières. Sorcières, faut se méfier parce que quand on est ici, elles peuvent réussir à nous balancer des trucs. Donc voilà, vous avez vu, elles m'ont repéré. Ouh. Voilà. Ça oui, vous avez vu, j'ai remis les Dark Glass ici en fait, hein, les Dark Glass qui venaient. Enfin, j'ai dû en reproduire un petit peu, mais j'ai créé ça. Désolé pour le camion qui passe. Voilà. Bon, je vais m'intéresser à Modular Force Field. Mais voilà, mais je dirais qu'on est vraiment indépendant au niveau énergétique et niveau ressources. D'ailleurs, au niveau ressources, maintenant que j'y pense. J'ai vu que j'avais une cuillerie qui s'était terminée, donc les deux autres n'allaient pas tarder. Ouais, j'ai mis le portail ici, c'est au spawn, hein, donc je trouvais ça plus propre. Ah, ça a pas sauté non plus, ça. Ouais, tu te fous de moi. Attendez une minute. Ah d'accord, ok, fallait mettre un coup de wrench dedans. Bon, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Je vais juste mettre deux portal gun. Ici, on va mettre un petit coup de clic là-bas. Non, il l'a pas pris. Pour le moment. Bon, alors, donc ces deux-là sont terminés. Donc étant terminé, je les désactive. Et celle-là... Eh ben, elles sont toutes les trois terminées. Ok. Bon, donc je les coupe juste pour qu'elles consomment plus d'énergie et on va les déplacer. Ce qui est pas très malin de ma part, j'aurais dû... Quand j'aurais posé mes portails, mes portaux, non? Un portail. Ouais, on dit des portaux, hein? Non? C'est bizarre. Ou un portail des portaux, non? Ouais. Non, ça se met pas sur le cristal. Et ben, ça se mettra ici. Voilà. Parce que j'en ai décidé ainsi. Hop. Landmark. Redstone. Et tout ceci, bullshit. Allez, hop. On est par là. Allez, alors.
donc notre première query ici. On va réactiver le magnet quand même. Et ça, on va récupérer aussi. Hop. Donc notre première query... je réfléchis, mais en fait on va pas la déplacer si loin que ça. En fait je compte démolir ce junk là en fait. Donc en fait on va la laisser où elle est. On va la laisser où elle est. Donc on va mettre une langue, une land ici. Une landmark ici. Celle-là on va la casser aussi, mais pas tout de suite. Donc j'ai mis une ligne rouge, on est d'accord. Et ici, ok, à la place de cette torche, voilà. Bon, ok, donc on a notre première query qui sera prête à être posée. Je vais déjà poser le matériel. On va juste s'y déformer un petit peu. Donc ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas posé une query ensemble, donc on... voilà, j'en profite. Hop. Ok, ici, on va... Donc ici, on a les stones. Pourquoi j'en ai 3? J'en ai 3. Pourquoi j'en ai 3? Ça c'est un problème. Ok, c'est bon. Ok, donc on va mettre ça comme ceci. On va mettre les wooden comme ceci. On va mettre les un truc comme ceci. Les ardennes comme ceci. Le tesseract ici qu'on va pour le moment couper. Et les wooden. J'ai un chat qui gratte, je sais pas si vous l'entendez. Et si vous entendez la poignée de ma porte, c'est parce que ce chat a récemment appris à ouvrir ma porte de chambre. Oui, c'est incroyable, mesdames et messieurs. Mon chat a appris à ouvrir les portes de chambre. Mais ce coup-ci, il n'est pas arrivé. Bon. Ok. Juste le portail, on va le déplacer. Comme ceci, voilà. Et on va lancer au moins l'énergie de ce truc. Ouais, ça me paraît bien. Allez, hop. Et parti mon Kiki. Alors, et bon, la tête de query est là. On va
même essayer de récupérer un peu de plateforme. Avant qu'ils finissent, voilà. Alors, ici, on s'en fiche. Alors, non, pas dans ce sens-là. Bien sûr, MDJ, tu fais n'importe quoi. Ok, hop, on est là. On va faire ça dans ce sens-là. Ok, alors, donc ici, je mets pour le moment un bloc pour symboliser, mais ici sera posée la query. Alors, on va y mettre d'abord les stone, puis les wooden, puis les hop, puis les hop. Voilà, déjà ça. 1, 2, 3, 5. 1, 4, 5. 5, j'ai dit. 1, 2, 3, 4, 5. Ceci, les wooden, enfin les wooden, les golden transport pipe ici. Ma query est partie. On va pouvoir donc démolir ceci. On va démolir ceci également. Ça pose pas de problème hein, de détruire une frame de la query. Il ne la rebâtira pas, mais ça ne lui pose aucun problème. Ok, hop. Donc c'est parce qu'il est alimenté en redstone hein, que j'ai les éléments bleus. Ça évite de compter en fait. C'est l'avantage. Voilà, ok. Et donc, pareil, il va falloir que je déplace l'autre. On va déjà poser notre query. Qu'il ne restera plus qu'à alimenter. Oups. Hop, voilà.